Just let me tell you. Will, shut up for a second. Something's wrong. They're all gone. Ils détestent la lumière, les zombies? The night is unforgiving. What? Ma valise! Should I show you what happened to the last person who lied to me? She? You'll be with her soon. Whoa! What? Oh, on a trouvé son mari! Did you come from the crash site like the others? So, your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage. But if you want to live, check out the trunk of that blue sedan over by the swing set. Mais bordel! Some more help from Molly. Génotique. Et pas de... Je pensais que ça serait un fusil, quoi. Tomate, hein. Loin avec ça. Nobody needs this anymore. Super, quoi. Je te jure. On va fouiller tout, on va essayer de collecter le maximum de trucs, on fera le tri après. Parce que de toute façon, il faudra partir dans la... dans la pampa. À la campagne. On va se préparer au max. On va changer de vêtements, je pense. On va... faudra les réparer avant. Oh! 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 Excellent, j'ai un fusil les gens. En fait, faut que je parte par là et que je fasse toute cette route là. Ça m'a l'air dangereux. Là-haut. 32,45 kg, ça va, tranquille, easy. Alors, c'est parti. J'ai oublié de dire au revoir au prêtre. Bon, c'est pas grave. Ah. Alors. On est parti. Marche plus vite, hein, quand on est plus léger. C'est étonnant. Partir à la... Mais on ne les revit jamais. Où était-il passé? Ah, le problème, c'est qu'il y a encore des maisons. Oh, merde, on va être où? Faudrait qu'on trouve un kit de nettoyage du fusil. Ça, c'est pas mal. Elle est fermée, la maison qui est en bas? Elle est fermée. Un kit de nettoyage du fusil, ce serait vraiment sympa. On va jamais y arriver, hein. Petite biche, c'est lourd. C'est pratique. C'est vrai que c'est chez pratique. Mais il est super méga lourd. Oh, c'est gentil de m'avoir laissé ça dans la boîte aux lettres. À trimballer des jerrycans d'essence, ça va pas le faire. Ah là, trop lourd. Ah mais du coup je peux forcer le coffre de la voiture. Non, non,
Non, non, ça me fait mal au cœur, mais je les prends pas. Sinon, après, on va être trop lourd et tout. Pas possible. Alors, à manger. Nourriture pour chien. Non, je n'ai jamais. Dans le précédent, il me semble que je n'ai jamais, jusqu'à présent, de manger de nourriture pour chien. Donc, il n'est pas question que je commence maintenant. Jamais. Oh, ça, par contre, c'est pas mal. Caisse de café. Ok. Allumettes. Pourtant, les allumettes, les gens, on n'a jamais assez d'allumettes. Chemise, manche longue, usée. Ah non, c'est... Qu'est-ce qui met du temps à... À se mettre debout et à se mettre accroupi. This will come in handy. Bon, je les laisse. Et je les laisse. Donc on peut remarquer qu'au Canada, apparemment, toutes les tables de nuit, il y a un saut. Les États-Unis, c'est une bible. Mais au Canada, c'est un. Ça c'est fait, c'est fouillé, on peut repartir. En même temps, c'est plus dur de se lever et de s'accroupir avec 34 kilos sur le dos. Si t'as des vrais abdos, tu peux le faire, Guy. Tu peux le faire. Non, merde. Non, ouais. On est parti! Disque d'entorse, ta gueule. C'était ça la route, hein, les gens. J'ai pas envie d'utiliser le fusil parce qu'on n'a pas le kit de nettoyage pour le fusil. Il faudrait vraiment qu'on trouve un kit de nettoyage pour le fusil pour le réparer, en fait. Il n'y a pas de soda sur ta table de nuit, Anne. Tu nous mens. Tu nous caches quelque chose, Anne. En flèche, depuis le départ, on a mangé que de la merde. Là, je dis rien. Qu'on fait, c'est impressionnant. T'as dit la dernière fois, Guy, que la soupe à la tomate vite faite c'était trop sucré. Rappelle-toi, la dernière fois. Oh, une sauvegarde, j'aime pas quand il y a des sauvegardes. J'aime pas du tout quand il y a des sauvegardes. Il y a marqué no trespassing, ça veut dire interdiction d'entrée, donc on va pas y aller. C'est tout les gens. Mais non, il fait pas froid. Pense à une plage paradisiaque à Cuba ou je ne sais où. T'avais qu'à faire plus de gras l'hiver dernier, ça t'aurait préservé de la chaleur. Du froid.
Oh putain! Kiki! Et Kiki! Faites pas de bruit, je crois qu'il est dehors. Il est juste à côté. Non, c'est bon, il est loin. Ne faites pas de bruit, les gens. Discret, discret. La gueule le cerf. La maison où on peut dormir ça? De quoi qui couille peut. Kiki peut forcer les portières des voitures quand tu t'abrites dedans? Non. Non, Saïta, on peut pas faire ça, Kiki. Non. Prends rien, hein, c'est juste pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre. Ok, il y a de la musique. Là-haut, il y a la fumée qu'on va, genre. Celui de nous. Pourquoi il y a des tremblements de terre maintenant? Pourquoi il y a des tremblements de terre maintenant, les gens? Ouais, j'ai regardé s'il n'y avait pas des avalanches. Oui, c'était pas le cas. Oh, c'est loin encore, dis donc. Kiki nous suit pas, c'est déjà ça, les gens. Je trouve un abri pour me réchauffer bientôt. Oh, c'est de la mousse, ça sert à quoi déjà ça? C'est pas pour faire des bandages ou des trucs comme ça? Je crois, hein. Ça sert à faire un truc ça, je sais plus à quoi. Oui, bah j'ai froid, j'y peux rien, Guy, c'est froid.
plus à quoi ça sert, ça. Antiseptique, voilà. J'en ai plein d'antiseptiques, donc ça sert à rien, en fait. Je sais que j'ai foi à Guy, mais je peux rien faire. Y'a pas d'abri. J'ai pas allumé un feu dans la petite baraque qu'il y avait tout à l'heure, vu qu'il y avait tout... C'était juste à côté. C'était un poil dangereux, quoi. Pour l'instant, tout se passe trop facilement. On arrive déjà ? J'ai l'impression qu'on est juste à côté. Il y a un loup et il y a une cabane déjà. Connard! Mais si, t'es où? Connard! Te jure! Sale tête de loup! Toutes mes balles vont y passer avec ces cons, hein. Merde, ils sont des morts. Sale tête de loup. Mais c'est pas une cabane, ça c'est juste des chiottes. C'est moi ou c'est la cabine d'Harry Potter qui fait vachement plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur, les gens? On avait déjà eu le cas sur une cabane dans The Long Dark où... En fait, de dehors, t'avais l'impression qu'elle était toute petite, tu rentrais dedans et puis c'était un 100 mètres carrés. En coton. Prendre et le démonter direct. Histoire de la Vallée Charmante, deuxième partie. Fondée en 1919, la communauté du carrefour de Thompson est l'une des seules de la Vallée Charmante à avoir perduré. Dépendant fortement de l'agriculture et des activités minières, la petite ville isolée a connu le même cycle de croissance et de déclin que Great Bear Island. À cause d'une activité sismique provoquant toujours plus d'instabilité, l'exploitation des mines de la région est devenue trop dangereuse. Et avec l'arrivée des activistes, bien déterminés à empêcher une nouvelle industrie de s'implanter dans la Vallée Charmante, le carrefour de Thompson est entré pour de bon sur la voie du déclin. Donc c'est une activité sismique, donc c'est juste des tremblements de terre, les secousses qu'on a eues tout à l'heure. C'est bon ça. Je devais démonter le switch, c'est ça? Action, oui. Manu Luffy. Alors, on est au milieu de la journée. Pas trop faim, j'ai pas trop soif encore. J'ai pas regardé si mes vêtements étaient squintés du coup avec... Déjà il n'y a pas de jaune, il n'y a pas de rouge donc c'est bon... Non ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Oui ça s'est pas esquinté.
chaussures, faut surveiller les chaussures par contre. Parce que je me rappelle que dans un épisode précédent, nous nous étions retrouvés à marcher pieds nus dans la neige et c'était pas cool. Par là que je vais. Donc de bonne, il y a un loup. Pas top ça. Ah, il y a pas de la viande ou quelque chose là par terre. Oh, un bambi. Surchargé. Ah si, c'est de la viande, mais de la viande humaine. Ouais, bah... Tissu. On prend... Même si César est en train de criser parce que je suis surchargé. Mais c'est pas grave. Salut les gars. Il y a du bœuf séché à l'intérieur. Nick. Oh, il y a plein à bouffer ici. Puis j'en ai déjà un. On va prendre, on va le recycler direct, je pense. Avant que j'oublie. Backup. Recycler. On va peut-être être obligé d'aller en marche arrière pour aller s'abriter dans la petite cabane parce que je suis en train de regarder que le. Oui, il est en train de tomber rapidement quand même. C'est vide. Ah, ça serait trop cool s'il y avait une cabane juste à côté du crash. Et là, lui. Pour lui. Ok. Donc ça c'est le lieu du crash, on approche déjà. J'ai plus que 8 balles avec le pistolet. On est dans la merde. Né dans la grosse merde. Surtout qu'il va y avoir des loups là en train de bouffer les gens qui sont morts. On va peut-être trouver des événements super méga chauds. C'est à peine stressant ce jeu, il se passe rien mais c'est stressant parce que t'as toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose. C'est là où ils sont forts. Ah, il y a une espèce de cabane là. Ah, il brûle bien l'avion hein, ça fait 2 jours qu'il brûle mais il brûle bien. Ok. Je vais pas aller par là, passer autour de l'avion du coup. This will come in handy.
Alors je fasse le tour à tous les coups. Ah non, je peux peut-être rentrer dedans. Ouh, il y a à boire. Quoi ça? Repas de l'avion poulet. C'est bien ça. Nickel. Nickel.